Donc une gare dans une petite ville, un petit village, ça s'appelle Saint-Marien-Saint-Isan. Bonjour, donc là je me trouve dans une gare, dans un petit, une petit village, une petite ville. Donc pour aller en direction de Bordeaux. Voici le contrôleur. Donc ici il y a d'autres voies pour les trains quand ils attendent, ils sont pas en circulation pour les réparer. Et là voilà la gare. Et donc j'attends le train pour aller à Bordeaux. Donc voici la gare de Senon qui se trouve juste à côté de Bordeaux. Là c'est le matin. C'est relativement tranquille. Voici l'information des trains. Pour la Libourne, pour la Bordeaux, Limoges, Arcachon. Donc c'est une gare qui ne se trouve pas dans le centre de la ville de Bordeaux, juste un tout petit peu à l'extérieur, dans le quartier de Senon. Et donc ça donne une autre option en fait, si on veut pas aller jusqu'au centre. Et du centre aller du côté de la gare principale et qu'on est du côté de ce nom, donc c'est plus pratique de prendre le train ici. On a un train qui arrive, qui va passer. Passer très très vite. Donc celui-là il partait de Bordeaux centre, mais il ne s'arrêtait pas ici. Ce nom, donc c'est comme si une petite gare et que les tout petits trains qui s'arrêtent. Le train qui vient de passer, ça devait être un TGV, hein, un train à grande vitesse. Donc cela il s'arrête que dans les grandes gares. Ensuite les TER, les trains express régionaux, le train express régional ou train express régionaux s'arrêtent dans toutes les petites gares. Ça, c'est pratique. Celui qui veut aller vite, qui veut aller dans une grande ville, il prend un TGV, un Intercity, un Corail. Et celui qui veut s'arrêter dans toutes les petites villes, il prend un TER, un train régional, pour pouvoir aller dans les villages, les petites villes. Voilà. Donc, c'est l'option. Et donc, ici, on privilégie en fait le voyage en train. Thank you.
Là, on passe sur un fleuve et celui-ci, il s'appelle la Dordogne. C'est le fleuve de la Dordogne. Celui qui passe par le centre de Bordeaux, c'est la Garonne et ici, c'est la Dordogne. Il est très grand aussi. Une autre petite gare.